Le jeu peut faire sortir des codes de 2000, les codes de 3000 ou les codes de 1000 et quelques. Et avec ces codes-là, peut-être vous n'allez pas me croire, tu peux mettre 100 francs. Maman, tu peux mettre 100 francs et puis tu gagnes 123 millions. Est-ce que vous pouvez me croire? Ça, moi, jamais je peux te croire. Voilà, donc je Mais à t'explique mettre ma main maintenant. au feu, je ne peux Moi, je jamais te croire. t'explique. Non, mais les vrais Non, qui sont mais le là. débat va pas rester. Vous deux, faut qu'on Oui, avance. Hein. vous Moi, mon voyez. chiffre, après, Non, on cinq commence. questions, il a posé, donc je répondrai. Tu peux mettre tes 100 francs et puis ça sort 11 millions, 12 millions. Mais ces cotes-là, tu ne vas jamais gagner. C'est presque impossible. Donc, le petit en question, il fait sortir ses cotes 2. Au moins, il est sûr de gagner. Et vu que ce n'est pas nous, on joue sur le terrain. Ça arrive qu'il perd. Et quand il perd, nous tous on perd. Et puis, bah, ça nous fait mal. Et puis, moi-même, il peut faire 2 jours même où je suis pas dans son canal parce que s'il est énervé, parce que j'ai perdu de l'argent. Mais n'empêche que c'est un bon pronostiqueur. C'est de ça qu'on parle. Le petit, là, c'est vrai, les gens donnent l'argent aux influenceurs pour faire les pubs. Tout le monde fait sa pub. Et puis, il n'est pas le seul. Même Jeff K. Et même, non, comment les appeler maintenant, super activistes, là. Aujourd'hui, eux tous font la pub de Iceberg. Eux tous ont des codes promo. Donc, c'est-à-dire, légalement, devant la justice, c'est quelque chose qui est certifié, qui n'est pas interdit en Côte d'Ivoire. OK. Iceberg comme ça, là, c'est interdit en France parce que l'application même n'existe pas en France. Est-ce que vous voyez? Peut-être la seule erreur que a pour toi à faire, franchement, c'est de flasher ces gens de montant. Là, c'est un problème. Sinon, à part ça, s'il faut justifier, ils peuvent justifier. Mais le problème, voilà. Pourquoi? Ils ont exhibé ces gens de montant. Donc là, maintenant, là-bas, ils vont se débrouiller, puis ils vont se démerder. Hein. Donc c'est un peu ça, quoi. Sinon, l'application Merci n'est pas beaucoup. en France. Merci, merci. On tapote famille, tapotez, pardonnez. Vous n'envoyez pas cadeau à l'autre tapoter. Oui, le frère, on te laisse terminer, s'il te plaît. Ok, je voulais dire quelque chose rapidement. Vous voyez, nous sommes en train de parler des paris sportifs. Ok, il y a un frère qui a parlé les jeux sportifs, là, les paris, C'était là. pas à vous, j'étais à ABP. Je vais chuter pour descendre, s'il vous plaît, pardon. Aïe, mais tu viens de monter. Je vais dire quelque chose rapidement, Ah, pardonnez. bah vas-y, tu as 1 minute, vas-y, on t'écoute. Ok, merci. Excusez-moi pour être monté de cette manière. J'ai dit, les calculs de jeux hasard, là, ce sont des calculs de probabilité. Tout ce qui est calcul de probabilité respecte des principes mathématiques. Donc, la probabilité de gagner est très faible. Et même quand tu joues, à un moment donné, tu deviens accro. Tu deviens passionné, adepte de ces jeux-là. Et à la longue, là, quand tu fais ton point, tu vois que tu as plus perdu que gagné. Ça te donne l'impression que tu gagnes. Mais en fait, l'objectif, c'est de te rendre accro. Une fois que tu es accro, tu commences à perdre. Ça, c'est un premier point. Maintenant, le deuxième point, concernant l'argent qu'il a explosé. Vous savez que même en Côte d'Ivoire, il y a des lois qui interdisent de posséder une forte somme chez lui à la maison ou bien de faire des achats avec des fortes sommes. C'est déjà interdit. Et puis, actuellement, avec la situation qui prévaut dans les pays où il y a des différentes guerres, il y a un fléau de blanchiment d'argent et il y a un problème au niveau des financements des terroristes, tout ça qui est en train de circuler. Il y a des cellules qui travaillent pour enquêter. Même les gens qui sont plus riches en Côte d'Ivoire ici, là, ils ne peuvent pas se permettre même de faire savoir à quelqu'un qu'ils ont une forte somme chez lui à la maison. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, actuellement, là, les questions qu'on lui pose, là, c'est de qui justifie les sources de cet argent-là. Si c'est clair, là, il ne va pas durer là-bas. Si c'est clair que l'argent, il a gagné normalement, tout et tout, il y aura toutes les traces, il va sortir. Mais si ce n'est pas clair qu'il a reçu de l'argent pour blanchir l'argent, passer, parce que moi, je pense que quelqu'un qui souffre pour avoir de l'argent, mais qui a joué un jeu là, n'a pas besoin de venir faire ça. Venir s'exhiber, ses montants. Il y a des gens qui sont plus nantis, il y a des gens qui gagnent les paris là, qui ne font pas ça. Donc, moi, il attire les regards de plusieurs personnes vers lui. En dehors de l'État même, là, il y a d'autres structures internationales qui travaillent pour traquer tous ces genres de choses-là, qui sont à cette trousse. Je chute par là. Merci, merci le frère. ABP, on t'écoute, mon frère. Oui, la mère Tina Bagnon. Oui, en tout cas, moi, c'était mon intervention. Déjà, c'est un truc, je ne crois pas. Moi, je dis que c'est genre comme une tontine. Aujourd'hui, on cotise pour quelqu'un, il vient gagner. Mais pourquoi c'est lui qui gagne tous les jours? Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi c'est lui qui gagne tous les jours? Lui, il est professeur de football, ou bien il est coach international, ou bien je ne sais pas. C'est son boulot, il a fait de ça son boulot. Même le boulot qui est là, c'est ce que le frère disait. Quand tu travailles même pour avoir ton argent, pour dépenser là, tu réfléchis deux fois. Pour dépenser de l'argent comme ça.
Moi, déjà, je prends déjà son. Le jeune a un PCS, et puis à Poutchou, moi, j'ai eu la chance de le côtoyer ici à Paris. Parce que même moi, je travaille, hein, je suis comptable, et je partais au boulot, et puis un jour, j'ai fait un City Go, je l'ai mis dedans. Et le petit pouvait même pas me parler au téléphone. Mais on a bien sympathisé. Je l'ai déposé à une ambassade où il devait voyager. Le petit pouvait pas. Quel petit? À Poutchou, bien Lionel. À Poutchou, oui, à Poutchou, oui. Ah, ok. Moi, quand je le vois, je sens pas une maturité aux enfants. Je dis, mais vous ne savez pas ce que vous faites. Peut-être que vous pouvez amasser de l'argent aujourd'hui. Mais pour dépenser, on se fout pas de l'argent. Hein. Donc, quand tout à l'heure dans le débat, on parlait et puis on a fait référence à son âge, il joue depuis 2018. J'ai calculé, il a 25 ans. Si on repart en arrière, 7 ans après, il avait quel âge? Quand il a commencé? Les 200 000, il a eu où? Je me pose des bonnes questions. Un père de famille doit se poser de bonnes questions comme ça. Moi, mon fils ne peut pas rentrer chez moi à la maison, pendant qu'il est encore sous tutelle, avec une somme de peut-être même, je vais dire même 20 000 euros, je ne peux même pas accepter. Je ne peux pas accepter. Posons de bonnes questions. Le pays, là, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre, mais on ne sait pas. S'il a gagné son argent, tant mieux. Mais qu'il sache faire bon usage. Parce que ce genre de truc, on ne dure pas dedans longtemps. Ok. Voilà, donc. Merci pour votre intervention. Voilà, et puis, vraiment, bonne soirée à tous. Je descends et puis je vous écoute. Ok, merci beaucoup, merci. Le Roro. Tina, motion, s'il vous plaît. Est-ce que toi-même, tu sais comment. C'est quoi le jeu? On joue ça comment? C'est sur quoi on mise? C'est sur le foot? Bonsoir. Non, attends. Bonsoir, le frère. Paris Sportif, là, pour jouer, là, il faut aller où? En fait, c'est des applications qui ont téléchargé. Il y a Sbec, il y a Becwinner, il y a plusieurs applications. Et dans les applications aussi, il y a plusieurs jeux. Mais nous, on joue plus le foot. Non. Et Lionel, là, lui, il joue sur quoi? Voilà, Lionel, lui, il joue plus le football, en fait. Parce que c'est un domaine qu'on maîtrise, en fait. Ok. Voilà. D'accord. On va écouter le juste, c'est juste pour savoir. Maman Tina, moi, je suis là. Hein. Oui, le Roro, après, c'est à vous. Le Roro, demi-toi, sinon le frère, il est déjà demi-toi, il va parler. Le Roro. Bonsoir. Bonsoir, le frère. On vous écoute. Voilà, s'il vous plaît, voilà, j'aimerais avoir 2 minutes de, voilà, pour parler comme ça. Je vais bien éclaircir les choses. On vous écoute. Hein. Voilà, ok. Dans le début, le petit, on était tous dans son télégramme. Quand il a commencé, il était, bon, c'est un tout vite fait. Hein. Quand on a commencé, il était dans un studio où ça n'avait même pas de matelas. Il n'avait même pas de lit, il avait que un matelas par terre. Et au début, il commençait avec des sommes de 50 000, un peu. Et là, il appelait beaucoup de personnes dans son télégramme. Au fait, ce que vous ne comprenez pas, d'autres pensent que c'est parce qu'il est trop fort, il mise, il gagne toujours, ou bien soit il perd toujours. C'est pas ça le problème. Le truc, c'est quoi? Des personnes, allez voir dans son télégramme, il y a plus de 800 personnes qui le suivent. Et tous ces 800 personnes, quand il met les coupons dans son canal, tout le monde joue. Moi, j'ai fait un calcul, dans les 800 personnes-là, on peut miser minimum 500. Il y a d'autres qui misent au-delà de ça. D'autres peuvent miser 30 000, 25 000. Mais j'ai fait un calcul sur une base de 500 francs. Lui, il est partenaire avec Ainsbet. C'est vrai que lui, il mise, il peut perdre. Mais quand il perd comme ça, tous ceux qui ont parié sur son coupon qu'il a donné là, il a un pourcentage. Tous les pronostiqués et tous ceux qui ont les codes promo là, demandez-leur. Quand lui, il fait les coupons, il mise des 20 millions, les 30 millions, puis il perd comme ça là. Il n'est pas perdant. Quand il gagne, il est gagnant, mais le jour où il perd là, il n'est pas perdant. Le jour où il perd même là, il gagne plus que le jour qu'il a gagné. Demandez à tous ceux qui ont les codes promo. Nous, on a suivi le petit ici. Avant même, il avait 5 000 personnes dans son canal. Aujourd'hui, il a 800 000 personnes, je vous dis. Hein. C'est pas 8 000, c'est pas 80 000, 800 000 personnes. Et tous ces gens-là, quand il met les coupons là, tous ces gars-là jouent. C'est pas comme d'autres vont venir dire, ceux qui viennent garder son nom aujourd'hui là, c'est des personnes qui n'ont aucune notion de ce qui se passe, en fait. Lui, il est partenaire Ainsbet, il est partenaire Invin, il est partenaire. En tout cas, il est partenaire même tous les. Bon, il passe tous ces sites, sinon ils vont bloquer les lives. Tous les bootmakers là, ou en Paris là, il est partenaire partout. Et il a un grand nombre de pourcentages sur les pets. Au fait, le truc, c'est quoi? Eux-mêmes là, eux jouent très peu. Le truc là, eux là, ce sont les gars, eux jouent très peu. Tous ces gens, on voit les pronostiqueurs que les influenceurs là font leurs pubs là. C'est l'argent qu'eux misent là. En fait, c'est comme les gars, ils ont deux comptes au fait. Ils ont deux comptes. Il y a leur compte démo et puis il y a leur compte, eux-mêmes leur compte où quand ils gagnent eux-mêmes, ils peuvent retirer. Mais leur compte démo là, ils sont
amener à attirer les gens dans leur canal pour les amener à perdre, au fait. Leur compte de moula, c'est-à-dire ils peuvent se permettre de miser jusqu'à 50 millions, 40 millions. Toi qui es dans le canal, tu vas voir, tu vas dire, ah, il a confiance en lui vraiment, il a confiance en son coupon. Mais parfois, quand il mise les 50 millions comme ça, il perd. Pourtant, ce n'est pas lui-même son vrai agent. Est-ce que vous voyez? Sinon, le réel source de son argent, là, c'est des personnes qui jouent avec son code promo. C'est pour cela, dans son canal, ceux qui vont remarquer, ces gens-là, ils aiment dire que inscrivez-vous avec mon code promo. Faites ça avec mon code promo. Ils exigent toujours de faire quoi que ce soit avec leur code promo. Pour que quand on paie, il y a une partie du pourcentage qui va sur leur compte. Est-ce que vous voyez? Sinon, c'est pas comme ils font quoi que ce soit derrière. Et ça, c'est totalement vrai. Moi-même, j'affirme. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui vivent de ça. Moi, il y a mon ami là. Il fait ça aussi, mais lui, il n'est pas assez connu comme ça. Lui, il a peu d'abonnés. Il a 60 000 abonnés. Pourtant, Lyon PC, lui, il a 800 000 abonnés. Il y a mon ami qui fait ça, mais lui, il est plus basé sur le jeu de casino. Là. Et ça paye. Lui-même, il a deux comptes. Il a son compte démo et puis son compte joueur lui-même. Quand il veut attirer les gens, là, il prend son compte démo et puis il mise beaucoup d'argent. Quand c'est comme ça, tu vois, tu es content. Toi, tu viens miser tes 10 000, 20 000. Et puis, quand tu perds comme ça, lui, il a 30%, inspecte à tout le reste de ce que tu as perdu. C'est comme ça. Moi, j'ai fait un calcul où j'ai calculé comme quoi tout le monde a misé. Tous ces 800 000 personnes, là, ils ont misé 500 francs. Pourtant, il y a d'autres qui dépassent. Quand j'ai fait un calcul des 30%, tout là, par jour, s'il veut perdre les gens correctement, là, par jour, il a 15 millions facilement comme ça. Dans mes calculs, j'ai fait par jour, s'il veut faire perdre les gens, par jour, s'il n'a pas gagné, qu'il a perdu, il a 15 millions cadeaux. Et puis, c'est sur un calcul de 500 francs que j'ai calculé. Oh putain, il y a d'autres qui misent au-delà de ça. Donc, vous-même, imaginez. Voilà, sinon, les vraies personnes qui sont dans son canal aujourd'hui, là, on a tous commencé ensemble. Moi, mais je suis dans son canal, des fois, je joue. Et je sais comment tout se passe. Moi, mais j'ai voulu me lancer, mais bon, j'ai pas trop le temps. Sinon, je sais comment, je me suis renseigné sur tout. Moi, mais j'ai voulu être partenaire, mais ça demande trop de trucs. Voilà, je me suis tellement renseigné que moi, mais je vais faire comme eux. Je connais tout, comment ça marche. C'est parce que eux, ce sont les dévanciers. Et bon, quand tu as envie de te lancer aussi, bon. Tu vois, non? C'est comme un marketing. Voilà, genre, eux, ils sont déjà devant, c'est pour eux qui prennent. Toi, qui as envie de commencer, le peu d'abonnés que tu as là, ils ne vont pas te considérer. C'est les dévanciers là, voilà, c'est eux qui prennent les Jerry, les Jet Car, comme le ton cité là. Moi, il y a mon ami qui fait ça, mais lui, c'est sur un Winifred. Lui, c'est le truc de casino, il fait. Lui, il a deux comptes. Moi, je vois. Il peut faire un truc comme ça, il va miser 1 million. Mais même si ça gagne, il ne peut pas retirer ses comptes démo. Ce compte-là, tu te sers uniquement pour attirer les gens. Toi-même, ton compte-là, tu peux miser ce que tu fais dessus. Donc, c'est un peu ça. Moi, il ne faut pas du blanchiment d'argent dessus. On a tous commencé ensemble dans le canal. Et aujourd'hui, le petit, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, c'est tout. OK. Merci beaucoup, le frère. Merci, le Roro. Vas-y, le frère Galas. Pardon. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, le frère. Ouais, ok, moi je vais juste dire ce que Momo a dit. Hein. Nous tous on suit Lyonnais PCS, c'est pas maintenant, il y a très longtemps de cela. Voilà, peut-être ce que je vais dire, le fait qu'il a affiché son agent à travers Aputu, c'est ce qui n'est pas normal, peut-être dans la loi ivoirienne. Voilà, sinon on le suit très longtemps, il joue, en tout cas nous aussi on joue. Moi-même, il y a les matchs même je joue hockey souvent. Là, hockey sur glace, football, même les box, que le. Bon, je vais taire son nom, le. C'est-à-dire les beaux des beaux. Voilà. Donc, il y a tout ça là-dedans pour dire que ce que Lyonnais PCS fait, en tout cas, c'est légal, vu que l'application même est en Côte d'Ivoire ici. Voilà, tout le monde joue, tout le monde fait. Mais c'est le côté officiel, l'argent là, je dirais que, bon, petit, c'est ça qui n'est pas trop joli à voir et puis c'est un peu interdit par la loi. Sinon, il n'y a rien de tel. On le suit avec ses voitures qu'il achète, ses maisons, tout. Comme Momo l'a si bien dit, il a acheté, il vit à. Bon, je ne vais pas dire le nom du quartier Abidjan. Mais en tout cas, il a acheté une villa de 200-250 millions et ils sont même achetés encore une deuxième villa qui va au-delà de 200 et c'est resté là aussi, fait au fur et à mesure. Voilà. Aujourd'hui, comme ça, il partait, je ne sais pas, c'est à sa quelle voiture. En tout cas, c'est un petit. Lui-même, il se cache même. Il se cache pour faire tout ce qu'il a fait. C'est récemment même, on voyait un peu son visage, tout. Il s'est montré un peu. Voilà. Donc, c'est juste un peu. Moi, je n'ai pas trop. Voilà. Ok, merci beaucoup, le frère, merci. Le frère Biggie, yeah, on vous écoute. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, le frère. En fait, moi, j'ai mon intervention, peut-être qu'il y a certains qui ne vont pas l'apprécier, mais moi, je pense que là, depuis tout à l'heure,
on va dans tous les sens sans toutefois attaquer le fond du problème. Voilà. Moi, je veux dire quoi? Ça dit, aujourd'hui, il y a toutes ces plateformes de paris là. Normalement, je pense que si ces plateformes de paris étaient structurées et qu'il y avait une trace, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Voilà. Et qu'il y avait une traçabilité, normalement, on serait pas là à se demander si c'est que l'argent qu'il y a pour à afficher, si c'est de l'argent légal ou pas. Non. Parce que moi, je sais qu'en France, il y a un certain montant, quand tu as gagné un certain montant, tu ne peux pas aller retirer ce montant en espèces. Il faut forcément un RIB pour qu'on te fasse un virement bancaire. Là, il y a une traçabilité. On ne peut pas afficher une telle somme pour qu'on vienne dire que non, c'est de l'argent que j'ai gagné au jeu sportif. OK. Là, c'est sa parole contre la parole de ceux qui le détiennent en ce moment. Parce que si réellement il y avait une organisation, si tout était bien structuré, on ne viendrait pas se poser des questions sur la provenance de cet argent. Je pense que si aujourd'hui on est là en train de parler de la provenance de cet argent, ça veut dire que quelque part il y a un truc qui a été manqué. Parce que toutes ces, comment on appelle, ces plateformes de paris, je pense que c'est des entreprises, c'est des sociétés. Ils ont créé ces plateformes pour gagner de l'argent. C'est vrai qu'ils font gagner de l'argent, mais en retour, forcément, ils gagnent quelque chose. Donc, ils gagnent de l'argent. Donc, c'est des sociétés, c'est des entreprises. Donc, on ne peut pas avoir de telles entreprises sans toutefois que non. Ces entreprises ne soient structurées, ne soient suivies par l'État pour qu'on sache réellement qui gagne quoi et qui perd quoi. Ça, c'est super important. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te présenter à la Française des Jeux. Tu dis non, j'ai gagné 3000 euros et les 3000 euros, on va te les donner en truc, en espèces. Jamais. C'est impossible. On peut jamais te donner ça. Pour ceux qui sont en France, ils peuvent se renseigner. C'est forcément un virement bancaire. Donc, si réellement ces plateformes étaient suivies et qu'il y avait vraiment, et comment on appelle, un regard sur tous ceux qui pratiquaient ce sport ou bien qui pratiquaient ça, je pense qu'on serait pas là ce soir là en train de se poser des questions. Non, le gars, il a montré de l'argent, c'est énorme, faut qu'il justifie sa provenance. Mais voilà, lui, il dit que non, son argent, il a gagné ça au jeu, au Paris sportif. Bon. L'État n'a pas les moyens de vérifier aujourd'hui, là où on est en train de parler, ils n'ont pas les moyens de vérifier si effectivement l'argent provient des jeux sportifs. Mais lui, il dit qu'il a tout ça des jeux sportifs. Motion, alors, mon frère. Motion. Pourquoi tu dis que l'État n'a pas les moyens de vérifier si l'argent provient au Paris sportif? Ils ont les moyens normalement? C'est pas correct. Non, mais c'est que vous ne me comprenez pas, je reprends. Allons doucement, on n'a qu'à dépassonner le débat, ce n'est pas une histoire politique, non, loin de là. Mais moi, c'est mon analyse à moi. Je dis que réellement, ici en France, je prends toujours l'exemple sur la France parce que je pense que tout ça découle des jeux, de la Française des Jeux. Quand tu gagnes une somme importante d'argent, tu ne peux pas aller te pointer chez un buraliste ou bien dans un tabac pour dire que l'argent, tu as gagné 3000 euros, tu viens retirer 3000 euros. Jamais, ils vont pas te donner. Ils vont te demander un RIB et ils vont te donner ton argent par virement bancaire venant de la Française des Jeux. Donc, si toutes ces plateformes sont agréées, normalement, celui qui gagne une somme importante d'argent, il ira présenter un RIB, on lui fait un virement. En ce moment, il y a une traçabilité. Ce qui n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, Apoutchou, il dit que son argent, ça provient de son ami, qui est Lionel PCS, c'est à lui appartient cet argent. Mais c'est sa parole contre la parole des autorités. Puisqu'ils n'ont pas les moyens de vérifier si effectivement cet argent provient de ces jeux. Quels moyens ils ont aujourd'hui? Puisqu'il n'y a pas de traçabilité. Voilà ce que moi je dis. Attends, mon frère, motion. Les gens de Lionel qui étaient là, ils disent qu'il y a des traces, hein, que quand ils gagnent, de toute façon, ils mettent sur son compte tout ça, il y a des traces, hein, qu'ils laissent les traces. Voilà. Mais maintenant, si on le détient, ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas encore les moyens de vérifier cette traçabilité. Donc, il y a un souci. Sinon, en temps réel, ça ne serait même pas un débat, on ne l'aurait même pas gardé. Il va venir, on montre les preuves, voilà, l'argent provient de tel truc, il montre les preuves, on le libère. Mais si on est là à débattre, ça veut dire que réellement, il n'y a pas une suivi. Moi, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de suivi. Je peux rectifier et puis intervenir, s'il vous plaît? Non, il y avait des gens avant vous. Si c'est juste pour rectifier, on vous accorde une minute. Après, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Ok, je peux rectifier, s'il vous plaît? Oui, oui, on vous écoute, monsieur. Ok. Le phénomène de Paris sportif. Bonsoir d'abord tout le monde, désolé. Bonsoir. Monsieur Fabergé. Le phénomène de Paris sportif, là, il existe depuis très longtemps. Simplement qu'il est venu en Côte d'Ivoire et qu'il y a certaines personnes qui ne le connaissaient pas, qui sont rentrées là-dedans. Sinon, depuis très longtemps, même nous-mêmes les vieux, là, nous sommes là-dedans. Voilà. Maintenant, pour ce que le frère vient de dire, c'est parce qu'il n'y a pas une traçabilité. Excuse-moi, mon frère, mais tu n'as pas assez d'informations. Effectivement, il y a des traces sur tous les plans. Mais seulement, l'argent qui a été exhibé, à des fins de prodada. Tu comprends un peu? Qu'il y ait trace ou pas, dans n'importe quelle banque là, on interpelle toujours
des personnes qui exhibent leur argent pour justifier. Ça, c'est normal. Partout dans le monde, ça se fait. Vous comprenez? Voilà. Cette histoire de application et autres de paris sportifs. Il y a eu un problème ici où l'État est venu parler à la télé. Rappelez-vous, pour dire toutes les applications et toutes les maisons de paris sportifs qui ne sont pas dans le sillage de la LONACI seront fermées. Et ils ont payé des droits parce qu'ils ont fait un constat que beaucoup de jeunes Ivoiriens gagnaient beaucoup d'argent et l'État n'avait aucun pourcentage. Vous comprenez? Donc ne dites pas que l'État n'a pas les moyens. Voilà, vous fournissez des preuves, ils vont rentrer en contact avec ces personnes-là et puis tranquillement, on vous libère. Parce que même nous-mêmes là, moi par exemple, excusez-moi, moi j'ai gagné 3 millions. Mais la trace des 3 millions là, ça est sur l'application. Seulement que l'argent que tu gagnes là, ça dépend de comment tu t'es inscrit sur l'application. Si tu as mis ton compte, tu as mis ton RIB, ça passe directement sur ton compte. Si tu as mis Orange Money ou bien Wave, tu peux retirer de par Orange Money et Wave. Mais seulement, tu ne peux pas prendre de fortes sommes. Tu peux retirer de façon échéancée. Aujourd'hui, tu prends 300 000, demain 500 000, ainsi de suite, jusqu'à ce que tu prennes tout ton argent. Voilà. Merci. C'est ce que je voulais dire. Ok, merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci pour la précision. Le frère Maga. Allô. Oui. On vous écoute. Bonsoir d'abord. Bonsoir le frère. Ça va bien? On vous écoute. Hein. Ok. Bon, je viens de monter, mais j'ai écouté tout. Bon, le problème est que l'argent qui a pour tout a publié l'argent, là, c'est ça qui est le défaut. Moi-même, là, je ne joue pas ça. Mais je suis le petit, le lien, là. Moi-même, je le suis depuis longtemps. Tout ce qu'il gagne, là. S'il perd, on voit. S'il gagne, on voit. Je me rappelle un jour, le petit a parié 3 coupons. 3 coupons, là. Il a eu presque 160 millions. Oui, 160 millions, une seule journée. Donc, voilà. Donc, le problème, moi, je vois que le problème est que c'est seulement que Aputu a explosé l'argent pour faire ça. C'est ça le défaut. Parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, ici, l'argent, au moins, si tu vas empocher là, 5 millions, 10 millions dans ta voiture même, il faut avoir les papiers qui prouvent que tu as fait retrait. Voilà, les reçus sont là. Si tu n'as pas reçu même police, les, quoi même là, ceux qui contrôlent souvent les médicaments sur la route là, anti-drogue, c'est eux qui vont te prendre d'abord pour donner les policiers. Voilà, on a pris quelqu'un, voilà. Si tu n'as pas les papiers, ils vont t'arrêter. Faut que les papiers viennent avant que tu bouges. Sans papier, tu as eu problème comme ça. Voilà. Donc, c'est Aputu qui est gâté. Enfin, là, sinon, depuis petit, il joue, il gagne des millions même. Voilà. Donc, tout, ça est là même. Il y a un petit frère même qui a joué l'année passée 100 francs. 100 francs, il a eu 6 millions. 100 francs, c'est pas 200 francs, 100 francs pièce. Il a misé. Il est chez nous ici. Donc, lui, le petit mise presque 40 millions 6 coupons. C'est-à-dire code 2, code 3, code 2, code 3 seulement. Qu'il mise. Mais il gagne son argent. En tout cas, l'argent petit, là, il a l'argent. Même quand on dit l'argent, il a l'argent. Mais il se casse. C'est dans ces temps-ci-là que moi, je vois son visage même. Sinon, je vois les coupons, mais lui-même, il ne s'affiche pas. Mais c'est des deux jours là, comme ça. Bon, ça ne devient pas un mois comme ça, mais moi, j'ai des connus comme ça. Donc, vraiment, c'est que je suis erreur et quitté si Aputu Petit est dans le problème. Mais comme il y a les traces, il va les montrer. Et puis, sinon, c'est Paris seulement que le Petit fait. L'argent que Petit a gagné par jour, là, c'est pas Petit. Il y a un monsieur qui vient descendre là. Lui-même, il a parlé tout du tout. Je voulais même parler, mais comme il est déjà descendu, bon, je ne vais pas parler. C'est bon. Mais le problème que Aputu a publié l'argent là, c'est ça qui n'est pas bon. Sinon, il y a des gens même qui gagnent comme le petit là, mais eux-mêmes, ça ne s'affiche pas comme ça. Il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup à Abidjan. Donc, vraiment. Voilà, ils sont beaucoup. Le lien là, il est très. Non, quand on dit risque là, même là, il est mal risque là. Voilà. Donc, maman, c'est risque. Ok, merci voilà. Beaucoup. Merci en tout cas. Voilà. Merci. Racien, on vous écoute. Non, toi, tu viens de monter, pardon, excuse-moi. Tu m'as fait monter, moi, je n'ai pas encore parlé. Hein. Oui, allez-y, monsieur, allez-y.
Parce que j'ai rectifié, mais je n'ai pas encore eu la parole. On vous écoute, allez-y. OK. Moi, je vais parler de façon simple sur deux volets. Je suis de profession juriste et je joue aussi au jeu de paris sportif. Mais je vous explique un peu le truc. OK. C'est pas le pari de football simplement qui existe. Le même petit là, il y a d'autres paris parce que j'ai effectivement son télégramme. Et je me suis posé la question, mais pourquoi ces jeunes-là nous demandent, venez dans mon télégramme. Mais il y a un ami qui m'a fait savoir que quand vous rentrez dans le télégramme de ces personnes-là et qu'ils vous donnent des coupons que vous gagnez et que vous perdez là, eux, ils ont un pourcentage au fait. Vous comprenez? Donc, c'est comme s'ils sont payés. Vous comprenez? Le petit Lionel PCS, comme l'a si bien dit, un interlocuteur. Mais quand le petit là dormait d'entrée couché, puis il avait maté là, mais le petit faisait des vidéos, moi je le suivais. Mais le cœur que le petit là a, comme ce que l'ami vient de dire là, mais nous on n'a pas ce cœur là. On n'a pas ce cœur là du tout. Le petit là te parie des 10 millions. Même Apoutchou, quand il est venu de Paris dernièrement, il y avait un match entre Paris Saint-Germain et puis une autre équipe là où le petit Lionel lui avait donné un coupon et ils ont perdu tous les deux. Mais Apoutchou a fait un statut pour dire oui. Mon petit, Lionel PC, je vais te faire mal, machin, parce que mon agent est parti là, me fait trop mal, parce qu'il avait parié un truc de 2 millions. Vous comprenez? Ça, c'était le volet pour faire savoir que les applications sportives là existent et il y a vraiment l'argent là-dedans. C'est vrai, c'est la facilité, comme on le dit si bien, mais il y a l'argent là-dedans. Maintenant, pour rectifier concernant mes amis qui sont en Europe, qui ont parlé tout à l'heure. L'autre qui a parlé tout à l'heure en disant que il peut jamais croire même que quelqu'un peut gagner, une telle forte somme d'argent, bien gagner tous les jours. Je vous explique. Pourquoi ceux qui parient tous les jours ne gagnent pas? Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Quand vous pariez là, vous pariez victoire. C'est comme ils disent, ASEC va gagner Africa. Victoire d'ASEC. En tant que Lionel PCS ne parie pas tout le temps victoire de ASEC Africa. Lionel PCS peut parier dans le match d'ASEC Africa là. Il va avoir 5 corners. Ou bien dans le match d'ASEC Africa là. Il va avoir 3 cartons. Ou bien il va avoir 20 fautes. Mais maman, dans le ballon là, quand il y a dans le ballon où il y a rivalité là, les gens se blessent toujours, ça se lime toujours. Donc forcément, il va avoir faute. Donc si le petit, il a une cote de 2 ou une cote de 3 par rapport à les équipes qu'il a choisies, et puis il met 2 millions. Mais c'est normal qu'il ait plus que 2 millions au fait. C'est normal. Ceux qui ont parlé tout à l'heure, qui disent qu'ils ne croient pas que même si tu mets 200, tu peux pas avoir plus de 100 millions et autres, faites exprès. Téléchargez l'application One is Best ou bien BetClick. Et puis regardez un peu les cotes. Mon frère, puis motion, les... s'il te plaît. Motion. Pardon. Comme nous, on ne connaît pas la cote 2, cote 3, là, c'est quoi? Ok. Je vous explique. Je vais prendre les équipes de Côte d'Ivoire, hein, comme on est tous ivoiriens. On dit ASEC joue contre FC Bassam. Même celui qui ne connaît pas le football, là, quand il entend ASEC joue contre FC Bassam, là, on sait que c'est ASEC qui va gagner. Vrai ou faux? Maintenant, les cotes là, qu'on donne là à différentes équipes là, c'est pour motiver les parieurs là à venir mettre leur argent où ils seront susceptibles de perdre. On peut dire à ceux qui vont gagner là, on donne cote 1. Et puis, FC Bassam là, on donne cote 9. Prenez ne serait-ce que 1000 francs. Mettez sur cote 9 de l'équipe qui va perdre là. Cote 9, vous mettez 1000 francs, ça fait 9000. Imaginez les personnes qui mettent plus que 1000 francs. Vous voyez, mais ce qui fait la rentabilité financière de l'enfant Lionel PCS, je ne le défends pas, hein, je ne suis pas son avocat, je ne le défends rien. Mais je dis simplement ce que j'ai vu et ce que j'ai déjà joué, j'ai déjà gagné. Quand tu as 50 000 et que tu te prends deux équipes qui ont cote 1-1, 1 plus 1 ça fait 2. Si tu mets 50 000 sur la cote 2, ça te fait 100 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes 50 000 que tu as mis là, tu les retires et tu as 50 000 encore comme bonus. Mais nous on a un peu peur, on met les 50 000. Mais on a des amis qui mettent les 2 millions et qui gagnent. Ces personnes-là ne font pas du tape à l'œil. Ceux qui